Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment réparer et récupérer la partition RAW gratuitement sous Windows 10, 8, 7 ou XP. Ah, premièrement, qu'est-ce qu'une partition RAW et comment récupérer les données des lecteurs RAW? Dans cette vidéo, je vais vous présenter des solutions pour vous aider à récupérer des fichiers à partir d'une partition RAW ainsi que des méthodes pour convertir RAW en TFS. Qu'est-ce qu'une partition RAW? Un lecteur RAW signifie que le système de fichiers de la partition est RAW et qu'il ne peut pas être reconnu par le système d'exploitation. Ainsi, Windows ne peut pas accéder et monter correctement la partition. La partition RAW signale un message d'erreur lorsque vous essayez de l'ouvrir. Ici, vous allez dans bouton démarrer, faire un clic droit, puis aller dans gestion des disques. Le système de fichiers de ce lecteur s'affiche en RAW ou non alloué ou non initialisé. Il est courant qu'une partition sur un disque dur externe, une clé USB et d'autres périphériques de stockage se transforment en RAW et vous empêchent d'accéder au fichier. Ainsi, il est important de savoir comment rectifier ce problème sans perdre de données. Comment récupérer les données de la partition RAW? Est-il possible de récupérer les données de la partition RAW? La réponse est oui. Le plus souvent, la partition RAW est le résultat d'une corruption des systèmes de fichiers. Une partition peut être considérée comme un conteneur de données et le système de fichiers est le gestionnaire responsable de la gestion des données. Lorsque le gestionnaire est corrompu, le système d'exploitation ne sait nulle part où se trouve la partition et comment les fichiers sont stockés. Ainsi, nous ne pouvons plus accéder au lecteur. Heureusement, un logiciel professionnel dit EboySoft Data Recovery permet la récupération de données. Il est gratuit et puissant. Alors, une fois dans cette page, le lien, vous le trouverez bien sûr dans la description en bas de cette vidéo. Vous allez cliquer sur Download. Après que vous allez télécharger le fichier .exe, vous allez l'exécuter comme vous faites pour les autres logiciels. Et une fois exécuté, vous allez vous retrouver avec son raccourci sur le bureau. Voilà donc comment il se présente. Il est très facile à utiliser. Nous avons ici Data Recovery, RAW Drive Recovery et BitLocker Recovery. Pour récupérer les données à partir d'une partition RAW, il suffit de connecter le périphérique, s'il s'agit d'une clé USB, disque dur externe, et ensuite cliquer sur Data Recovery. Ici, il s'affichera le périphérique. Vous allez cliquer dessus pour le sélectionner, comme ce cas. Ensuite, Next. Non trop vite, bien sûr, parce que je n'ai pas de périphérique RAW connecté à mon appareil. OK. Et vous allez suivre la procédure. Ce logiciel vous permet aussi de convertir une partition RAW ou une partition NTFS ou FAT32 ou XFAT. Pour ce faire, même chose, connectez bien sûr le périphérique, puis cliquez sur RAW Drive Recovery, sélectionnez le périphérique concerné et Next. Et vous allez suivre la procédure. Troisièmement, ce logiciel va vous permettre de récupérer les données à partir d'une partition protégée par un mot de passe. Le logiciel vous permet de protéger les partitions par un mot de passe et il vous permet aussi de récupérer les données à partir des partitions protégées par un mot de passe. Pour ce faire, même chose, connectez le périphérique concerné et cliquez ici. Sélectionnez votre périphérique à partir de là et cliquez sur Next. Mettez ici le mot de passe, OK et continuez. Voilà donc ce puissant logiciel va vous permettre de récupérer les données à partir d'une partition RAW pour ne pas les perdre. Alors, est-ce qu'on peut formater par exemple une partition RAW? Bien sûr, c'est très facile de la formater, mais dans ce cas, vos données seront perdues. Pour ce faire, vous allez faire un clic droit sur le bouton démarrer, ensuite gestion des disques, faites un clic droit sur la partition RAW et ensuite cliquez sur formater.
formatting. Ainsi, vous allez pouvoir formater une partition RAW, mais sachez que les données seront perdues. Donc, pour ne pas perdre les données contenues dans une partition RAW, il faut utiliser ce puissant logiciel Ebosoft Data Recovery qui est gratuit. Le lien pour l'installer, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Voilà donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.